Oui, c'est des étoiliennes TQ5, c'est un peu ce qu'il y a dans le fuel, c'est la pétition et le houn à Kran, à Kathouran, de Gouzatan, de Médecine. Quand vous avez un ami, vous avez un Amazon du Canada et qui a dit que la pétition est des jemaa, chaleg la qna ssnien et wakin nessestima dis si wakin kin qan Francis il va interpeller le premier ministre canadien Justin Trudeau a fait ne kedron le kadi tmout le dra et mahbas ki 500 mahbas ntkti وين لا شو كان انتو تحسب لكن لا بيتيسيون في الحويه طاسك كي غتكون يزم الحل ها في قبلين وكذن تو ها في كزغام هذا بو غاتيري سكي كدغه فار الخوف تقول وين وغادي وكاد يزغام دي فارانت مو في كندا وغنتقوى الناس سنين ماشا ان في كي غاد ولي ما كثورا دوين كلان يتزن طاس يمكن تسلحو مليح لا بيتيسيون كي يمكن يسم لي ولاش تاكودي شكون كان تيدي يسفهم اسمه نون وتيلينا غاد فانون وذا غندو لقرا يا ليون دي سالا كونسيونس ذاك ذو لقرا هاد السنين خاطر كي قران فرنسي سي با ريان دي تو ما الى غوفرنمون كنديان يسرا انتربولي سور لي سنتين دو ديتوني بوليتيك كي يقدر انا كادي تموت من الجزائر ان في كي بوت سينار ماكسان ماكسان جمع ويضم ثاني ما تيتولم يعني ديوني لان كي يقدش مليح مليح الثلوفان نتمور سينير اي ماكسان ازوف لك ماكسان أزول رشيد أزول أك وإذا كيديس لنا مراي العسلامة نون عطيك سنك ماكس انا وي فنا دي نيرد كي تاثيت سميك تي عطا لون قد صغيره ذا شو لا بيتيسيون كي ذا نوغلان فيرس هي واتشون تتوخدم دونك رشيد يعني سينيور ثان ميرسي تيكي 5 كي ابري لا بين il veut diffuser l'information of la pétition il chadid الحال خير لا القبائل خير لا Isaïriens, les Qbayels, ne sont pas au courant. Et chez il hal soit Hazran blith la pétition, ni la nuit des Hawaïens, je suis à cette façon nafous pour la signer. Voilà. Donc, Kassina Bli, on va donner le bénéfice des deux signés qui en a beaucoup qui ne sont pas au courant. En fait, c'est quoi cette pétition? C'est une pétition pour la libération des prisonniers. Ça concerne tous les prisonniers. Et il y a le député, donc M. Zram a des contacts avec les députés, etc. On interpelle les organisations internationales, les ONG comme Amnesty International. Mais cette fois-ci, il y a un député qui parraine une pétition pour la libération. On aura l'occasion de la lire tout à l'heure. Et il va la présenter au gouvernement fédéral. Donc, c'est un député parlementaire. C'est un député fédéral, d'accord, qui siège à Ottawa. Et donc, il a besoin de 300 signatures. Pas grand-chose. Ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 20 000. 300 signataires de la pétition pour présenter un texte, Justin Trudeau, à son gouvernement pour exiger la libération des prisonniers en Algérie et arrêter les poursuites judiciaires. Voilà. Donc, ça fait 3 semaines qu'il a été lancé. Il y a beaucoup qui ont signé. Donc, je vais dire, on est à 149. 149, c'est très peu. 3 semaines que ça a été. Imranas Nani sur le terrain de tous bords. Je veux dire, ce n'est pas uniquement Imranas le MAC qui sont actifs pour la diffuser, pour inviter les gens à la signer. J'ai des amis qui sont très actifs dans le Hirak aussi. Le Kvayel, ils sont en train d'appeler les gens, leurs amis, etc., pour faire signer. Mais nous, là, comme quoi, il nous semble Ougden, les gens Ougden. Et à Marxen, ah oui, il faut dire à Thmour, les Niki, ou je suis Ougden. Alors, c'est tout à fait normal, parce que la nuit, c'est Karan, Assezek, ils vont m'arrêter, ils vont documenter mon cas, ça veut dire qu'ils vont garder mon cas, comme quoi j'ai signé 5 concisions, etc. Comme je l'ai dit récemment, l'Hakim, dans chaque village, il a appelé des gens à la justice.
يخدم شغلي سي كفاف، مازال يتهمي طون زون طون يتحب يتاوي على الحبس شراي يمغنسن، مين كنيس القبايل يا لي وان دينا ا كونستروي سا بروبر بريزون دون سا تيت سكي ني با نورمال. De la pétition, on demande juste de signer pour la libération des détenus, sachant que toutes les on comprend la peur des gens. L'aïbad ou gdent ghlid l'rahba à l'étranger, ou à l'intérieur, je comprends. Atas, khair là, ils n'ont pas été à Rthmorthes Gessa, ou à Yroch al Mexique, ou à Yroch al Hawaï, ou les vacances à la France, etc. Pour ne pas donner l'occasion, ils sont machidimarnes, c'est des gens qui n'ont jamais activé ou quoi que ce soit. Mugadin, la diaspora. Je les comprends parfaitement et je le dis, oh, il faut rien, faut pas donner l'occasion. Il a voilà. Mais, oui. Ma chère Maxine, de l'envoi, vous le croyez, il est le rachir un peu, sensible à la cause parce que Hatan Akidina Jibran Khalil Jibran, un écrivain très connu américain ou libanais, et n'est que l'indifférence, c'est la moitié de la mort. Donc, mais là, on coule au nourrish la yara ou tu dis là, elle est là. D'accord, il y a un peu la pétition qui s'en a la tasse à tasse. Le fait que un député parlementaire qui va prendre la parole en pleine assemblée devant le premier ministre, il va l'interpeller sur la situation. Des droits de l'homme en Algérie, les 500 prisonniers, Justin Trudeau, obligé d'y refler, c'est pas rien du tout. Je suis à Maxence, je l'ai fouillé, le député de Nekik, Kirim Doukali, il y aura le ministre de la Défense, il était député mérin, népéen, et bien il y a eu 500 signatures, après 128 morts. 128 morts, on garantira, je vais interpeller le mérin Jean Thiritien, et bien, qui nous a fait titre des 500 signatures, et il a tenu parole, le député Jean Thiritien, il a été interpellé sur les 128 morts kabyles. C'est la procédure, oui, voilà. C'est la procédure de la démocratie, une fois qu'il a un certain. En fait, la pétition, elle est sur le site du Parlement. Je vais la partager tout à l'heure, elle est sur le site du Parlement. Voilà. Je n'ai pas un député. Une fois qu'on a le nombre exigé, le gouvernement n'a pas le choix de répondre et de faire ce qui est demandé. Dernier, une chose, Maxime, c'est très important. Là, il y a une mention, une précision comme quoi votre nom est Ditsvanera. J'arrive à Rachid. Tu as tout à fait raison, mais normalement, on est à l'étranger, on ne doit pas rester indifférent. Voilà. Oui, à Oufane, il y a une marraine, à Moyen, de marcher devant Amnesty International, etc. On ne doit pas être indifférent vis-à-vis des prisonniers parce qu'on n'a pas la sœur, etc. On parle. Nous gardons que nous allons rater un été qui se mort. Et on dit qu'il y aura l'été, c'est pas la fin du monde. Ah, c'est pas la fin du monde, les gens sont depuis une année. Voilà. Ceci dit, je ne condamne personne. Le service minimum, il est le service minimum. Chacun a sa propre situation. C'est quoi le service minimum? Signer la pétition. On a tout fait pour qu'il soit anonyme. Premièrement, toutes les pétitions du Parlement sont anonymes. À la base, elles sont anonymes. Ce n'est pas suffisant parce que les gens, aux Aranarabes, c'est anonyme, etc. On a demandé aux députés, récemment, il y a 3 jours de ça, est-ce qu'il y a moyen de rajouter une mention comme quoi vos coordonnées sont protégées, ils sont pas publics. Exactement. Ils l'ont rajouté parce qu'ils sont tout courant des représailles. Iglen soit au Canada, Zran les services à Chokh de Mende, et en même temps en Algérie, Zran. Donc ils l'ont rajouté. Nous comprenons parfaitement votre situation et la situation de ceux qui ne veulent pas signer parce qu'ils ont peur des représailles. Donc je veux expliquer un peu comment aux gens. Donc la pétition, elle se retrouve soit sur le site du Parlement. Je partage à Rachid. Il y a Imran Hassan qui les partage par Facebook, Niawin qui les partage par SMS. Le travail qui peut se faire, une fois que tu as reçu la pétition, le lien par SMS, fais la même chose toi aussi pour copier et envoie
un certain nombre de tes contacts, 50, 100, etc., sur 100 petits signataires ou 10. Ça me donne l'argent. Donc, je partage l'écran. Regardez. Donc, vous allez rentrer. Il est fort possible que vous allez avoir un lien en anglais. D'accord? Donc, maintenant, tu n'es pas à l'aise en anglais. Rahul, dans le coin. Est-ce que c'est correct, Rachid? Tu vois C'est tout? correct, tu vois les rêves français, Clique vous sur voyez? français. Voilà. Attendez, tu vois les, mais c'est la Chambre des communes, hein, donc House of Commons, elle est au Parlement canadien, directement de l'ATSFM. J'ai dit que ça va être comme Donc, Chambre des communes, qui est le système français, etc. Donc, c'est le Parlement. La Chambre des communes, c'est le Parlement. Voilà. Voilà. Alors, voilà la pétition. Le numéro de la pétition, c'est, vous voyez, même la pétition, c'est un nombre. E-4057. Tu peux aller chercher, il y a un bouton de recherche, chercher la pétition. Ici, tout de suite, si tu peux prendre E4057, tu peux venir, voilà, tu fais la recherche d'Agui, on va la trouver. Sinon, qu'est-ce qu'il dit? L'un des défis 40, c'est politique. Bah, effectivement, il n'y a aucune pétition qui n'est pas politique. Même quand on fait une pétition pour, par exemple, interdire de couper un arbre dans le village, dans une ville, c'est politique. Tout est politique. Alors, pétition au gouvernement du Canada. Attendu que, depuis décembre 2019, des citoyens algériens, plus particulièrement Kabyles, subissent de la répression et des arrestations arbitraires pour avoir exprimé publiquement leurs opinions politiques. Donc, on parle de tous les citoyens algériens et plus particulièrement Kabyles, ce qui est vrai. Oui, Il y a beaucoup yes. plus de prisonniers, Le etc. Kabyle. À ce jour, les organisations des droits humains dénombre pas moins de 500 personnes emprisonnées injustement en Algérie sur la base de fausses allégations et d'appartenance à une organisation terroriste. Donc, d'appartenance à une organisation terroriste, soit de Rachad ou du MAC. Les deux sont concernés. Et ce, depuis que le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, pourtant pacifiste, est abusivement classé comme gouvernement algérien actuel, Comme tel. comme tel par le gouvernement algérien actuel. Parmi ces prisonniers, là, on cite, parce qu'il a été rédigé par Mario Beaulieu, qui est le député, et Cameron Etienne, c'est son ami. Ils l'ont reçu déjà au Parlement canadien. Et il est venu donc parler déjà au Parlement canadien. Mais C'est la présidente du Congrès mondial à Mazir. exactement, c'est quelque chose de très important, qui est une organisation qui est reconnue par l'ONU dans Voilà. le, comment on appelle ça, l'UNPO, des nations, des peuples autochtones. Voilà. Donc, Cameron Etienne siège dans une organisation de l'ONU, c'est très important. Voilà, coprésidente de l'ONG internationale. Vas-y. Exact. Parmi ces prisonniers d'opinion figure Madame Cameron Etienne, coprésidente d'une ONG internationale. Okay? Donc, ici, il nous dit qu'il avait animé des conférences. Ouais. Donc, là, c'est Mario Boul, le député, il interpelle vraiment le gouvernement par rapport aussi à cette dame. Ça Elle va s'est vraiment déjà bien. rendue par le monde canadien aussi, hein. Exact, oui. Ces arrestations arbitraires vont à l'encontre des droits internationaux. Si on parle des droits internationaux et en matière des droits humains, même si n'importe quelle cause, quand ça concerne les droits internationaux ou les droits humains, ça interpelle chacun de nous. Ici, des milices appartenant à la police politique algérienne, appelées DRS, ainsi que des agents de sécurité appartenant à l'armée, ce qui est, on s'accorde là-dessus, aujourd'hui, les DRS, c'est ce qu'ils font sur la ligne de Rahbef, Fédrine, Marra. Voilà, sont en train de terroriser en pleine nuit des villageoises et villageois. Kabyle, parmi eux, des enfants, voire même des personnes âgées. C'est ce qui se passe actuellement. C'est de cette façon qu'ils interpellent les gens et à cette. C'est comme exactement de la même façon que les soldats, les militaires français sont en train de Exact. Je cite le cas de Chaban Mourad, qui est un ami. Donc, ils se demandent à 6 h du matin, ils ont déchiré les matelas, Voilà. alors qu'il a des enfants en bas âge. Ils vont être traumatisés à vie. Oui. Nous, sous-signés, donc citoyens et citoyens canadiens, ainsi que résidents, d'accord? Il va vous le dire. Donc, qui sont concernés? C'est les citoyens et citoyennes canadiens, les citoyens et citoyens canadiens, résidents et résidentes canadiennes.
de condamner cette situation arbitraire instaurée en Algérie. On parle de l'Algérie, d'accord? Donc, par le gouvernement de ce pays, ainsi que ses condamnations et arrestations. Toutes aussi arbitraires, dont sont victimes, c'est des centaines de prisonniers d'opinion, particulièrement Kabyle, qui croupissent injustement dans les prisons. Celui qui n'est pas sensible au cas des prisonniers Assa, on ne sait pas quoi dire. Voilà. C'est bien beau de chanter Matoub qui chante c'est le commissaire Afih Bassen, Nir al-Barwagia, etc. Mais on a cette chance-là d'être solidaire aux côtés des prisonniers. C'est mieux que de chanter le Barwagia un peu partout, etc. Je préfère ça, c'est le joindre. Il y a une moitié de Niguar, on a le nom, prénom, l'adresse, le courriel, l'INUC, bien sûr. Et puis, là, il y a le Tchigan, le courriel, l'INUC, et Donc, de confirmer etc. Là, il le point, l'étoile rouge, donc il faut le faire parce que c'est quelque chose de très sérieux, donc c'est obligatoire. Canada, sélectionne après ta province et le code postal, ça c'est important. Ici, il faut que je suis un citoyen canadien ou un résident du Canada. voilà, c'est ça. Ce n'est pas uniquement ceux qui ont le passeport. Si tu es résident, tu es considéré comme un citoyen. Et là, je reconnais, je comprends et j'accepte les conditions d'utilisation et autres conditions énumérées dans des pétitions, etc. Je consens à l'utilisation et à la communication de mes renseignements personnels aux fins privées dans ce document uniquement. Aux fins prévues par ce document, ça veut dire pour des raisons d'interpellation du gouvernement, pas plus ni moins. Exactement. Mais est-ce que ce sera un public, ok, c'est garanti. Et les Ismaouens ne sont pas, ne sont, la liste n'est pas gérée par une organisation ou une association ou quoi que ce soit. C'est le Par le Parlement. Parlement lui-même. Par le Parlement, regardez en haut, c'est pétition noscommunes.ca. Donc c'est comme ça, c'est ça le site du Parlement. Ouais. Et il y a quelque Dernier point, chose. ce n'est pas important. Je souhaite recevoir des mises à jour, etc. Ok, ce n'est pas important. Dernier point, fast click. Mais il y a quelque chose à Rachid où il dit que. Ah, ici, on l'a raté. Votre information personnelle ne sera pas rendue publique. Voilà, très bien. Donc, regardez, elle ne sera pas rendue publique. Une Si vous, fois que tu as si vous, signé. c'est important de le rappeler encore une fois. Si vous souhaitez signer cette pétition, veuillez fournir l'information requise dans les champs ci-dessous. Votre information personnelle ne sera pas rendue publique. Donc, vous laissez, ça vous dit, ah oui, c'est des soins TQ5, signez de l'ouage de l'aoun. Mais si vous avez de l'ouage, vous êtes signé, vous êtes signé, vous êtes signé, l'enchirant, ça c'est l'enchirant qui vient de l'Hibas, c'est qu'il y a des Zayens, ou bien signé, c'est ce que c'est, l'Ounas Hamzé, l'année de Zayens, Mstranum, qui vient de l'Hibas, Donc, à Rachid Tanmir, je rajoute une chose. On a 3 mois pour atteindre 300 personnes. Ce n'est pas grand-chose. 300 signatures. On a 3 mois jusqu'au mois d'octobre. Mais dès qu'on arrive à 300, le gouvernement va être interpellé. Voilà, Dès OK. qu'on arrive à 300, ça veut dire que c'est urgent parce que il m'habesse. Donc, à Oufen, dans une semaine, 2 semaines, on se l'achète 300 pour que les parlementaires vont faire leur travail. Ce qui est important à Rachid, après, une fois que tu as rempli ici, certainement, Mehmet, quelque chose de rouge, ça veut dire que tu as mal rempli les choses, mais ce n'est pas fini. Ta signature n'est pas prise en compte jusqu'au moment, parce qu'ils vont vérifier l'information, ils vont t'envoyer un courriel. Comme j'ai signé déjà, donc on ne peut pas le refaire, je vais aller sur le courriel. House of Commons, pétition de la Chambre des communes. Exactement, de la Chambre des communes. Donc vous allez recevoir un courriel comme ça. Votre signature n'est pas prise en compte jusqu'au moment où il va vous dire ça. En anglais, en français, on va aller en français. Le 22 juin, regarde, c'est le 22 juin qu'il a été signé, d'accord? Vous Vous avez avez franchi franchi. la première Donc, presque étape. un mois, vous avez franchi la première étape en vue de signer la pétition, son numéro, à propos des affaires étrangères, sur le site web des pétitions de la Chambre des communes. Veuillez confirmer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais cliquer. Et là, la pétition est prise en charge. Voilà. Là, la pétition est prise en charge. Signature déjà validée,
aux périodes de signature terminées. Ça veut dire qu'il n'y a pas déjà. C'est pour ça qu'il n'y a pas. Oui, il y a inactif signataire déjà. Quand tu connais le Maïnous, il y a un merci d'avoir pris dans ce sens-là, il y a ça y est, c'est pris en considération. D'accord. Exact, il y a une félicitation, vous avez signé, il faut que je relis et c'est fini. Mais ce n'est pas, ouais, pas fini réellement. Il faut après passer à la diffusion. Ça veut dire que à ton tour, tu vas aller partager, appeler les gens, tes amis. Il y a une pétition. Si tu appelles 10 personnes, oui, il y a deux signatures, c'est déjà beaucoup. Voilà, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque chez la communauté kabyle. La communauté arabe, qui s'arrive en Flasni, ils sont bien organisés, ils font merveilleusement ça. J'aime bien raconter une anecdote par rapport à Atnfekstia. En 2013 ou 12, il y avait, en 2014, il y avait les élections ici au Québec. Madame Marwa et un député Philippe Couillard, c'est bien ça? Ouais. Donc, comme premier ministre, il y avait Marois qui est du Parti québécois, mais qui parlait beaucoup dans son programme. En 2014, c'est qu'il s'est dit, nous, si on va passer, on va quand même instaurer une loi de laïcité au Québec, 2014. Donc, avec le ça, il a perdu devant le libéral qui était médecin en Arabie Saoudite, Philippe Couillard, etc., qui faisait beaucoup de largesse au Aravon. Après, on a appris par les médias, parce qu'il faut vraiment rentrer, comment ils ont réussi à battre Pauline Marwa. En fait, même Snaïon Dakweili, même Lelakne, et Kadamesh. En fait, chacun, Yaliouen, il faut qu'il appelle 10 personnes. Aïtsi ou là, à ton tour, je vais te dire, voilà, tu votes Philippe Couillard à l'époque, et à ton tour, tu dois appeler, il te hasbit ces 10 personnes. Et imagine les 10 personnes que je vais appeler, vont appeler 10 fois, on est à 100 déjà. Attends, en exponentiel. En exponentiel, c'est un peu le Widikshfen dollar jet les années 80, c'était un peu ça, on est à 90. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont très bien organisés, qu'ils arrivent à avoir des acquis. Tassel Khwela, c'est Karnash, Shogor, Zouaimia, le frère de l'armée, toute la presse a parlé. Parce qu'ils ont fait le travail, voilà. Ils signent, ils écrivent aux députés, etc. Ils font ça. Ils rassurent dans la tasse, mais ils font ça. Machidentina, la Gimas, l'armée Zouaimia. Une autre femme, j'ai oublié son nom, qui a été prise, arrêtée, comme toujours, parce qu'il y a de la pression ici. Par contre, le Kbayel refuse même qu'on cite leur nom. Je connais une personne qui, ça fait 6 mois, c'est un ami, ça fait 6 mois, il est mort, et la peur des représailles, il refuse même qu'on aille voir les députés, qu'on fasse quelque chose. Mais d'un autre côté aussi, le Kbaïlna se mobilise moins pour y aller voir les organisations de défense des droits humains. Voilà, Rachel. Il a donné un point, c'est important, c'est de dire dans le Maxime. Donc, c'est comme si le MAC est derrière la pétition qui est, alors que c'est clair et net, c'est un parlementaire, c'est des parlementaires canadiens qui viennent faire la pétition qui est. Machin, rassoule la main de le MAC, je suis là avec Glenn, mais il a un moussou qui est un certain. يلا نسفير الحاجة نقولها الحاجة دياوين النفع كي ذي محباسي قلان 500 محباسي قلان دي سبورت ماشي حاجة قبيليين ما هذا نفلسنا كي كي قمنين الكندا على البرلمان الكنديا ذا شو تسيري في نيكا في ونيسنا ميقا ذاكي اللي كومنتر ميقا ذاكي أماكس إيرمون سي لي بارلمونتير كي سون ديرير فوالا سي لي بارلمونتير فيدرو أمشي يعني اشتقرت لماك باسكو اوني موبيليزين كني اون بارل On parle, on veut que. Parce qu'on pense aux prisonniers. C'est pour ça qu'on parle de le MAC, parce que c'est le gars du MAC qui va appeler les gens, etc. Ils disent une c'est TQ5, il y a dans une autre chaîne, etc. Ça ne veut pas dire qu'il est initié par le MAC. Non, je suis désolé. Mais s'il y a d'autres gens qui ont initié d'autres pétitions, on veut les voir, on va les signer. Allez-y! Mais Zimahbès, l'objectif final, Zimahbès, tu ne donnes pas ta voix au MAC, tu ne signes pas pour le MAC.
tu signes pour les prisonniers et l'arrêt, tu signes pour toi-même. Ça veut dire dans une année, 2 ans, tu rentres en Somalie, tu seras passé dans l'aéroport. Après tout pour toi-même, hein? Ouais. Parce que c'est l'arrêt de la répression, etc. Tu ne signes pas pour le MAC. Le MAC a le courage de s'afficher et d'essayer de faire avancer cette pétition. Mais comme je vous ai dit, au début, c'est un ami qui est très impliqué avec le Hirak. Il est impliqué dans la pétition aussi. Il appelle ses amis, etc., pour la signer. On va s'excuser encore une autre fois que les activistes, les militants du MAC, sont actifs pour faire avancer ça. Vous voulez qu'on se taise, qu'on ne fait rien, on la laisse comme ça, mais il y a des parlementaires qui ont initié quelque chose. Bah, 3 mois, on a des personnes, 20 personnes. C'est comme si, on va s'excuser d'être Kabyle dans ce cas-là. On l'a fait déjà. On a dépassé ce seuil de s'excuser d'être Kabyle. Les artistes, les intellectuels, quand ils veulent poser une question, ils vont te dire, ils vont d'abord signer. Zich Parnas, Parnas, mais il y avait une question, il disait hier, Achani, Bismillah, etc. Wa amma ba'd. La diaspora, Achani, Bismillah, etc. Ils l'ont remplacé par autre chose. À vrai dire, je ne suis pas du Mac. Wa amma ba'd. Ba'd, la question. On l'a vu dans les conférences à Montréal, un peu partout en France, pour que la personne va s'excuser d'abord qu'elle n'est pas du MAC pour poser sa question. C'est très grave. Allez-y, Akawash en Ottawa, ces associations kabyles, communautaires, Akawash qui va prendre le lien, qui va le diffuser à tous les adhérents d'Akawash. Ah oui, au fond de tel ça au passe. D'accord. Mais c'est politique. Mais le fait, l'existence d'Akawash même au Canada est politique. Son existence est politique. C'est majeur, c'est politique. C'est-à-dire l'association, le CAM, ah oui, au fond de le CAM, qui va utiliser sa mailing list. Veuillez, s'il vous plaît, signer cette pétition, etc. Mais les associations, ah non, c'est politique. Ton existence est remise en cause. Donc tout est politique. L'une des associations qui ont pris ce relais, on va se retirer. On va se retirer. Chiche. Que les associations prennent en charge ce volet. Kakawash, on nous envoie le lien. D'accord? Le lien, on envoie le lien pour informer. C'est de la diffusion. Il ne prend pas de position. De le mettre entre parenthèses. Voilà une pétition qui est mise en ligne par le Parlement canadien. Si vous voulez la signer, c'est juste informer la communauté kabyle. Ça ne veut pas dire Akawash est pour ou contre. Oui, c'est politique. C'est normal que c'est politique. Notre vie est politique. Là. Le fait qu'on t'a empêché de rentrer à Altmour, tu vises les vacances à la Hawaï, c'est politique. Ouais. Voilà, donc j'interpelle particulièrement ces associations qui se cachent derrière ce terme. Ah, c'est politique, nous, on ne fait pas de politique. Quand tu invites un conférencier, qui te parle de littérature, d'histoire ou quoi que ce soit, c'est politique. Quand tu t'engages, tu continues à enseigner, à lutter pour l'enseignement de Mazir, Ontario, Ottawa, il n'y a pas plus politique que ça. C'est beau. C'est politique. Donc, à vrai dire, Rachid, quand on veut tuer son chien, on le traite de rage. L'enchirem d'un instbrif kassid, ahidief thasbiouf. Je donne un exemple. Et justifie le manque d'implication, le courage de s'impliquer par toutes sortes d'excuses. C'est le courage de s'impliquer. Vous avez le courage de s'afficher, etc. Et la conviction. Maintenant, on n'a pas de. Oui, on a de la conviction, mais ce n'est pas ça qui fait la différence. C'est la conscience. Ce que tu veux dire par conviction, c'est la conscience. Ça veut dire que la conscience n'est pas la. Mais ce qui est vrai, c'est que l'année, ça fait 6 mois, 1 mois, 1 année, d'accord, 2 ans, c'est qu'il y a la conscience, je suis conscient, j'essaie d'être solidaire avec eux.
Je fais ce que je peux, mais qui n'est pas de. C'est de la conscience, c'est pas de la conviction. Adnour, alors, lui, d'Echni, dit Tiafentis Biwin, j'ai partagé ça avec quelqu'un, a signé de la pétition, etc. Il n'est à considérer, c'est le MAC, il n'est c'est politique. Parce que c'est le MAC qui est derrière. Nas, oui, c'est politique, toute pétition est politique. Même si Zrath Nas, le MAC, c'est un MAS, Nas, regarde. C'est la pétition de, qui est engagée par. Initié par un parlementaire fédéral à Ottawa, et mon classe qui me raisera, c'est Mario Beaulieu, à une un indépendantiste québécois. Ces indépendantistes québécois, ils ont des députés au Canada. Donc, c'est quoi le problème? Juste parce que c'est. Est-ce que c'est le manque de courage ou le manque de conscience? Je ne sais pas. En fait, même si c'est un diable, qui initie cette pétition, il fait la imhbes et il y a eu. Voilà. C'est le mythe marxien, nous avons fait des années où il y a eu des soignants de TQ5, et il y a eu des soignants de l'Amérique-Valien, et il y a eu des soignants de Canada. خطت انا كنت مثلك مثلا 500 محباس ثوق ديك الصنديق قبالين ما شالين الجزائريا جوست ان تري دواز كما يهضر فلاس ذا الفايده غير نبوي اكن مان لا خاصهم دياوض كي كاين الصوت يزن اني محباس كي ونا اجرلان كي كاين نوسا ثقرا تذويل تكي انت ذويل تكي كلان كذا ماكسان جمعوي اللي سمنا بكي لقد سنيم لا بيتيسيون كي اي يسال ملي ذويلين نظن ندير قيمه ذي ثانوي ثان ميث نوان ثان ميثك ويذي ديسلن أرثو فضا راشد